Eh bien, je suis Jean-Philippe Lefief, je suis journaliste à l'agence Reuters et passionné de montagne depuis toujours, de course à pied en particulier, mais de ski aussi, d'alpinisme quand j'en ai l'occasion et vraiment de montagne au sens large. Le plus difficile, ça a été d'entrer dans la tête de l'auteur, parce que l'histoire se tient très bien d'elle-même, elle est très chouette, elle est vraiment très vivante, mais il fallait, pour être vraiment fidèle à l'auteur, il fallait vraiment rentrer dans son mode de pensée, dans sa façon de mettre les choses en scène et de deviner comment il l'aurait écrit en français, quoi. Alors, le point de départ, c'est ses blessures. Ce gars-là, Chris McDougall, est un coureur régulier, grand, lourd, fatalement exposé, qui a plein de problèmes avec ses pieds en particulier. Et il se demande comment font les grands sportifs, les gens qui pratiquent beaucoup, pour échapper à ces blessures ou pour s'en débarrasser. Et il ne le comprend pas, il voit lui-même plein de spécialistes, de médecins très, très calés qui lui disent que c'est une fatalité, qu'il n'y a rien à y faire, que les blessures, soit on en prend son parti, soit on arrête de courir. Et un beau jour, il tombe sur un magazine, enfin un article consacré aux Tarahumara, qui sont des Indiens du nord du Mexique, qui pratiquent la course à pied de façon un peu rituelle. Ils organisent des courses extrêmement longues, qui font 24 ou 48 heures. Tout le monde court, femmes, enfants, et tout ça avec des chaussures qui n'en sont pas. Un morceau de pneu et une lanière, et c'est parti pour 300 km. Il est très intrigué, Chris, parce que pour lui, c'est complètement impossible. En tant que coureur américain, il a toujours couru avec des chaussures très adaptées, très amortissantes. Et pour se rendre là-bas, c'est un lieu très, très isolé, très difficile d'accès. Pas seulement à cause des conditions naturelles, mais aussi parce que c'est infesté de narcotrafiquants. Il se dit qu'il lui faut un guide, et il a entendu parler d'un gars qu'on surnomme Caballo Blanco, un Américain coureur très fort qui s'est installé là-bas parmi les Tarahumara. Et il part à sa recherche, c'est déjà toute une aventure. Et quand il finit par le trouver, il découvre un type assez fabuleux. Et il a une idée précise en tête, Caballo Blanco. Il veut organiser une grande course avec les Tarahumara et les meilleurs Américains. Et pour ça, il a pris contact avec Scott Jurek, qui est une légende vivante du trail running. Et il arrive à le décider, à le faire venir. Et puis il y a d'autres très grands coureurs qui se décident aussi. Et le bouquin, c'est un peu l'organisation de cette course, le voyage jusque dans les Copper Canyons. Et puis cette fameuse course qui clôt le bouquin, qui est un grand moment, un moment vraiment épique, formidable. Et il y a, en plus de ce volet sportif et humain, tout un volet scientifique qui vient justifier la technique que prône Chris McDougall et les adeptes du minimalisme, qui dit que tout simplement il faut arrêter de courir en posant le talon en premier, en déroulant complètement le pied, mais complètement sur l'avant. Ce qui fait de ce bouquin le manifeste du minimalisme un petit peu, mais c'est d'abord un grand bouquin d'aventure, quoi.